Reprends la vidéo en fait. J'ai fait une petite coupure pour tout vous dire. J'ai changé ma batterie dans le cassant. J'arrive pas à faire un gros plan vraiment très précis. J'ai eu des galères. Je vous explique pourquoi. Parce que je suis pas doué, hein, c'est simplement ça. Mon fil était mal calé, etc. Non mais je veux dire les choses comme elles sont. Hein. Mes fils en bas, c'était limite ça se touchait pas. Enfin c'était vraiment mal fait. Soyez un peu plus voilà, attentif au niveau du montage. Je peux pas faire de gros plans, je pense que vous allez avoir s'allumer. J'ai fait 2-3 pulsations juste avant, vous voyez, ça m'a déjà un peu noir, je vais pas mentir. Hein. Mais ça avait du mal à démarrer, parce que sincèrement, je me suis, je pense, mal pris. On va voir. Voilà. Je sais pas si on voit quelque chose, si on voit que ça rougit. On va faire un peu plus longtemps. Que ça noircit bien, et là les 4, alors ce que je n'avais pas tout à l'heure, pour dire la vérité, ce que je n'avais pas tout à l'heure, les 4, ça commençait comme tout le monde un peu en haut, en bas, en même temps, etc., mais les 4 rougissaient pas du tout. Au bout d'un moment, ça sentait fortement cramé, j'avais vu que ma mèche touchait, enfin voilà, c'était pas terrible. Et là, j'ai un petit peu donc remis, hors caméra, c'est plus facile, hein, j'ai remis les spires un peu correctement, voilà, là on commence à voir. Je sais pas si on les voit. On n'en voit pas une qui est en bas. Alors, je suis désolé, caméra. Faut vraiment que je fasse quelque chose. J'essaie avec l'appareil photo, mais c'est pareil, j'y arrivais pas. Donc il en manque une, la troisième. Qui côté intérieur le fait bien, et côté extérieur un peu moins. Mais c'est pas mal quand même. Là, on commence à avoir les 4 spires. Alors c'est vrai qu'on a tendance à les ajuster les spires d'un côté et pas de l'autre. Et le côté inverse. Je sais pas si on voit là, c'est pas mal. Hein. Pardon. On voit vraiment mal. Je suis désolé, elle veut pas du tout faire le point sur le. Je pense qu'il y a trop de reflets. Et elle veut pas faire le point sur le. Mais voilà, je vous dis la vérité, j'ai fait une coupure dans la vidéo. Parce que ça fonctionnait pas. Sincèrement. Donc j'ai pas enlevé mon montage, hein. C'était bien correctement fait. Mais sauf qu'au niveau des spires, j'ai vraiment bien égalisé la chose. Et moi. Je félicite tous ceux qui arrivent à le faire en vidéo. Moi, j'ai beaucoup de mal. Donc, on va voir ce que ça va donner. Hein, mais voilà. Je pense que ça devrait suffire. J'ai changé la batterie. J'avais une 1650 comme conseillé sur des vidéos un peu déchargées. Elle a été vraiment trop déchargée. Là, j'ai mis une 1350 et là, mon sang kick. Juste avec la petite protection, éviter de les cramer. Ça a l'air d'aller. Ça fait un peu plus longtemps. Je vois rien qui me paraît bizarre, alors je sais pas. Bon, on va essayer de partir comme ça. Je vais mettre un peu de jouille sur la mèche. Évidemment. Mais ça va pas mal moi hein. Alors je sais pas si elle va durer. C'est ce truc, c'est je sais pas si elle va durer. Je vais couper le petit bout qui est là, qui reste. Voilà. Je sais pas si elle va tenir 1000 ans. Hein. Je vous ferai de toute façon. Un petit retour. Je sais pas si ça va durer 1000 ans. Mon premier montage, bon c'est le premier, c'était pas terrible. Hein. Bon voilà. On va en faire d'autres jokes quand même, on a confiance. Je reviendrai d'ailleurs sur le liquide, qui est également un liquide de Bacoctel, que j'avais toujours voulu commander, je l'avais pas fait, c'est tabac banane. Et sincèrement. Bon, je viens juste de le goûter sur c'était sur un DCT. Pour l'instant, j'adore. Il y a un bon hit, par contre. Bah, je ferai une petite revue de façon liquide. Je vais en commander chez Vape Cocktail en pas longtemps. C'est prévu. Voilà. On va remettre ça. Et on va essayer. Hein. Alors oui, on remet, bien sûr, ce que je n'avais pas fait. Et ça va où je l'ai foutu, en plus. C'est une catastrophe.
Voilà, donc c'est pour ça que, à mon avis, il y en a avec pour les gars comme moi. J'ai déjà paumé, je pense, la petite, le petit bouchon de. Ah, il est là. J'avais déjà paumé le petit bouchon du réservoir. C'est pour ça qu'il y en a deux avec. Je crois que ça va me servir, c'est marrant. Il faut vraiment avoir les petites paluches, j'ai pas envie de trop toucher tout. Voilà, hop. On va bien mettre. On va bien serrer ça et on va bien mettre le caps en face de la mèche. Voilà. Et je vais essayer aussi de régler mes trous d'aération. Je pense que ça vaut peut-être le coup de le faire. Du cassant, bah, vous voyez, c'est pratiquement en face. Voilà, je vais peut-être le régler un peu mieux tout à l'heure pour que ça soit bien en face. Je vais remettre le drip tip. Et on va voir. Ouh, ça envoie. Comment dire? Ça m'impressionne un peu. Alors, ça envoie grave, hein. Il y a un hit fou. Voilà. Mais bon, ça a l'air de fonctionner. Je vois que c'est bien imbibé de liquide. Mes spires sont correctement positionnées. Ça fonctionne. Je vais m'en servir. Et puis, je reviendrai vers vous pour. Bah, pour mon retour d'expérience. Et là, c'est impressionnant, parce que là, on sent vraiment le hit, un retour de saveur qui est super. J'ai l'impression qu'il y a quand même un léger petit goût de neuf, quand même, hein. Donc, à mon avis, peut-être qu'il faut que ça se fasse un peu. J'ai pas entendu ça dans les réseaux de produits, mais bon, à mon avis, il va falloir que ça se fasse un peu. Je vais le tester et je vais revenir vers vous rapidement pour vous en parler. J'espère que ça a été pas trop long. Les zooms, je suis désolé. Il faudrait que je le voie sur un matériel complémentaire. Juste pour prouver, voilà, moi je suis pas doué. J'ai eu quelques galères pour la mise en route, pas trop pour faire mes spires. Vous voyez, voilà, même moi qui allais un fil dans une vis, c'est une catastrophe. Mais bon, quelqu'un un peu plus doué que moi, il n'y aura pas de souci. Les spires, je pense qu'il faut les faire assez rapidement au départ, bien les recaler derrière avant de commencer de pulser. Le pulsé, vous voyez, ça s'allume quand même. Mon fil est ressorti deux fois du pôle positif, parce que encore une fois, je suis pas doué. Mais parce que là, avec le petit système de clip à ressort, il n'y a pas de raison que ça arrive. Mais ça fonctionne. Je reviens d'ici quelques jours, peut-être. Là, nous sommes samedi. D'ici peut-être mercredi, dans ces eaux-là, mercredi, jeudi, pour vous dire ce qu'il en est. Et si j'ai eu des galères avec, s'il y a eu des déconnexions, des courts-circuits, des choses comme ça. Si j'ai pris feu, si. Voilà, mais ça me paraît. Je vais en goûter un petit coup devant vous quand même. Ah, je pense qu'il faut mettre le switch sur on, sinon ça marche pas. Ça y est, ça commence à prendre une autre saveur et ça me paraît super. À très bientôt, je vous dis ça dans quelques temps. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Et bah bonne fin, salut. Oui, un retour immédiat. En fait, avant la fin de la vidéo, j'ai voulu la mettre directement derrière, puisque en fait, quand j'ai essayé tout à l'heure devant vous, ça m'envoyait enfin, j'avais un hit excessivement fort, il y avait un truc qui n'allait pas. Quand j'enlevais le caps supérieur, et ben, quand je le faisais chauffer ben, avec le liquide, j'avais des geysers partout qui partaient, donc j'avais vraiment des points chauds. Et ça se voit sur la vidéo. Si on revenait un peu sur le moment où je commence à pulser, on voit bien, donc de mon côté, j'avais bien les quatre fils qui étaient bien rouges, et de votre côté, enfin côté caméra que je n'ai pas vérifié,
On voit bien qu'il y a un fil qui ne rougit pas ben, sur sa tonalité, il rougit devant moi, mais il ne rougit pas derrière. Donc il y avait un vrai souci. J'ai entièrement repris le montage, donc je l'ai refait tranquillement. Puis c'est la deuxième fois, donc ça va un peu mieux. Et ça fonctionne maintenant, on a un très bon rendu de saveur, le hit il n'est pas exagéré, ben, de toute façon c'est 12 mg de nicotine, donc ça doit correspondre aussi à ça. Ça on voit bien, mais voilà, le goût est restitué correctement. Voilà, j'ai toujours pas le kick. C'est léger, c'est bon, c'est assez voluptueux. Voilà, c'est très agréable. Maintenant, je vous dirai, avec le temps, sur un peu moins d'une semaine, je vous dirai un peu comment ça va vraiment et les soucis éventuels que j'ai eu. Mais les soucis, j'en ai déjà eu un. Hein. Quand je vous dis, je suis pas doué de mes deux mains, alors ça aide pas. Mais voilà, faut prendre son temps pour le faire. Mais c'est réalisable, ça fonctionne plutôt pas mal. Je vous dis à très bientôt. Désolé pour la vidéo un peu longue. Mais c'est un peu plus délicat que de monter quelque chose comme une mèche de Minova ou des choses comme ça qui sont assez classiques. Là, ça commence à être un peu plus délicat. À très bientôt!